Et vous avez l'évolution de 2014 à 2019 pour celles et ceux qui s'intéressent donc à l'analyse du comportement des crédits durant une longue période. Et pour ce qui est une croissance plus vigoureuse que le passé récent, puisque le taux de croissance annuel moyen. Alors effectivement, le groupe Attijariou Wafa Bank affiche au titre de l'exercice 2019 une croissance importante de ses principaux agrégats financiers. Le produit net bancaire croît de 5% à 23,5 milliards de dirhams et le résultat net part du groupe progresse de 1,9% à 5,8 milliards de dirhams. Hors élément exceptionnel qui s'applique pour la première fois en 2019, le résultat net part du groupe aurait cru de 8,7%. Cette bonne performance s'explique principalement par une accélération de la croissance des crédits, notamment au Maroc, le bon comportement des activités de marché en lien avec la baisse des taux obligataires au Maroc, et enfin une bonne maîtrise du coût du risque et une croissance contenue des charges d'exploitation, et ce malgré les investissements consentis en matière de transformation numérique et digitale pour construire la banque de demain. Alors effectivement, le secteur bancaire a connu une mobilisation très importante suite à l'appel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans son discours du 11 octobre 2019, pour une mobilisation et une implication encore plus vigoureuse et plus ferme en matière d'inclusion financière, de développement économique et social du Maroc, mais également de financement de l'entrepreneuriat. Dans ce cadre, Attijariou Wafa Bank a mobilisé l'ensemble de ses forces vives et ses ressources pour accélérer le déploiement de sa stratégie, de son dispositif et élargir le plus rapidement possible l'accès aux services financiers, aux crédits, au plus grand nombre de jeunes, de porteurs de projets, de très petites et moyennes entreprises. Cette page, en fait, vous montre l'évolution du résultat net part du groupe par ligne métier. En 2019, le produit net bancaire s'établit à 23,5 milliards de dirhams, en croissance de 4,9%, et le résultat net part du groupe progresse